Opinions by Wall Street English. Articles from all over the world. Bonjour. Dans Opinions, on vous présente tous les jours les points de vue de journalistes du monde entier. Répondez à la question qui sera posée à la fin de chaque épisode et tentez votre chance de gagner plein de cadeaux surprenants. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur un article publié le 4 juillet 2018 dans The Sky News Magazine et écrit par Lucia Binding. L'article est intitulé « Wimbledon under pressure to ban plastic bottles over littered courts ». Opinions. Hi, I'm Casey, and I teach at Wall Street English. Wimbledon has come under pressure to ban plastic bottles because of trash on the tennis courts. British number one Johanna Konta raised the issue after her first round victory. When asked about the number of plastic bottles used at the championships, she said, "In terms of water bottles and things like that, I personally don't have water bottles at home. I try not to use plastic bags or anything like that." The Sydney-born player, 27, added, "I think it's a battle that everyone is facing. I'm a big fan of looking after our planet because we've only got one." When you're a big fan of something, you like it a lot. You can be a big fan of a person, an idea, or even a kind of food. Evian is the official supplier of bottled water of Wimbledon. Earlier this year, Evian announced that all of its bottles will be made of 100% recycled plastic by 2025. Currently, its bottles are 25% recycled plastic. We are proud to work with Evian, and we value their support in the championships and the All England Club for the long term. For the long term is a less formal way to say for a long time. A short-term plan is good for a few days, but a long-term plan is better. Because Evian will recycle, the All England Club will support them. They are interested in the long term. Opinions. Les joueurs de tennis britanniques ont soulevé la question des déchets en plastique à Wimbledon. Johanna Konta a discuté ce problème après sa victoire au premier tour. Interrogée sur le nombre de bouteilles en plastique utilisées lors des championnats, elle a déclaré « En ce qui concerne les bouteilles d'eau et autres, je n'ai personnellement pas de bouteilles d'eau à la maison. J'essaie aussi de ne pas utiliser des sacs en plastique. » Elle a ajouté « Je pense que c'est une bataille à laquelle tout le monde est confronté. Je suis une grande fan de la protection de notre planète. » Evian est le fournisseur officiel d'eau embouteillée de Wimbledon. Plus tôt cette année, Evian a annoncé que toutes les bouteilles sont fabriquées à 100% en plastique recyclé d'ici 2025. Actuellement, ces bouteilles sont en plastique recyclé à uniquement 25%. Vous trouverez l'article complet sur la page Facebook d'Express FM. Casey vous a expliqué une nouvelle expression en langue anglaise « for the long term ». Que veut dire « for the long term » ? Réponse A. For a lot of people. Réponse B. For a long distance. Réponse C. For a long period of time. Répondez-nous en commentaire sur le post qui sera partagé par la page Facebook de Wall Street English Tunisia en taguant 5 de vos amis. La personne avec la bonne réponse gagnera 2 semaines de découverte gratuite à Wall Street English. To keep the conversation going, come to Wall Street English and meet the team. For more information, visit our website, wallstreetenglish.tm. Opinions.